Depuis le début de l'année, près de 30 000 personnes ont emprunté le chemin Roxham. Les centres d'hébergement débordent, à tel point que les refuges pour sans-abri sont sollicités. Avant la pandémie, on accueillait 600 jeunes dans une année. Et maintenant, cette année, on va être probablement autour de 500. Et de ce nombre, 10 % sont des jeunes qui vont demander l'asile. Le refuge des jeunes reçoit chaque nuit jusqu'à 45 personnes. Des sans-abri de 17 à 26 ans, de plus en plus d'entre eux sont des demandeurs d'asile. Et on a de plus en plus de jeunes qui sont laissés à eux-mêmes, sans revenus, sans carte d'assurance maladie, sans rien, et qui se retrouvent donc stationnés dans un refuge d'urgence, sans rien et sans porte de sortie. It went so bad. It went so bad. Ce jeune homme, qui préfère garder l'anonymat, l'a vécu. Originaire de l'Angola, il est arrivé à Montréal par le chemin Roxham quelques semaines avant sa mère et sa sœur. Il nous a appelés un soir, raconte-t-elle, pour nous dire qu'il n'avait nulle part où aller. Il a finalement dormi dans un McDonald's. I end up sleeping at McDonald's. C'est des histoires qui sont rares, mais qui commencent à nous préoccuper. C'est finalement Arthur qui a accueilli la famille ici. Le centre Le Pont est un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. J'imagine qu'il y a des gens que vous devez refuser? À tous les jours. Donc, il y a des personnes, oui, qui nous contactent pour nous demander une chambre, puis je dois leur dire que je suis complet. Ce sont surtout des femmes et des familles qui habitent ici, ils sont une trentaine, des personnes qui n'arrivent pas à se loger autrement. C'est le cas de Martha. Elle est arrivée de Colombie avec son mari et ses deux filles en juin. Ils ont obtenu une chambre au YMCA, un hébergement offert par Québec, qui n'est que temporaire. Esa estadía era por solamente una semana. On ne devait y rester qu'une semaine, explique-t-elle. Pronto obtener una vivienda para salir de YMCA. Il fallait quitter rapidement puisqu'il y avait du roulement au YMCA. Sentíamos pues mucho la presión. On ressentait beaucoup de pression, mais c'était impossible de trouver un appartement. Les prix étaient trop élevés.